Allez, salut dans l'ensemble. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau tutoriel aujourd'hui sur la suite de la formation sur Epidata 3.1. Aujourd'hui, nous allons voir tout simplement la création des contraintes d'intégrité des champs, c'est-à-dire la programmation sur notre base de données. Façonner notre fiche d'enquête ou notre base de données en fonction des contraintes d'intégrité que nous allons proposer. Et au préalable, si vous n'avez pas suivi les cours sur le téléchargement et l'installation d'Epidata 3.1, puis la configuration d'Epidata 3.1, la création aussi des questionnaires sur Epidata 3.1, je vous suggère d'aller revoir ces trois tutoriels pour mieux comprendre le chapitre du jour. Pour ce faire, et qu'est-ce que nous allons voir dans la programmation ou la création des contraintes de données? Ici, nous allons tout simplement voir des opérations d'abord que je vais vous expliquer et à quoi va servir ces opérations. Lorsque nous prenons, nous avons des opérations arithmétiques qu'on va rencontrer. Ces opérations arithmétiques, ça ne peut être rien d'autre que, comme vous le savez, des exponentielles. Voilà. Par exemple, au carré, quand tu prends la taille de la personne pour calculer l'indice de masse corporelle, là, on a besoin de connaître, de prendre la taille au carré. Par exemple, aussi, l'addition, aussi, la sommance, voilà, les opérations telles que la soustraction, tout ceci, la multiplication, aussi, la division. Il y a d'autres opérations aussi qui vont nous intéresser, qu'on appelle des opérations logiques. Ces opérations logiques, on peut les appeler encore des booléens, qu'on peut dire « et » ou qu'on dit en anglais la négation d'abord « not ». On peut dire « et » qui veut dire « and » en anglais, et ou bien « or » qui veut dire toujours en anglais ou « et logique » encore. Nous allons rencontrer quel type d'opérations aussi. Les opérations aussi apparentes. Ça, c'est quel genre d'opérations? Ce sont des opérations de relation, c'est-à-dire égal, supérieur, inférieur, voilà, vous avez dit égalité qui est là, doit être différente. Lorsqu'on dit qu'une valeur doit être différente à temps ou telle valeur ne doit pas être égale à 1, c'est l'opération-là qu'on va utiliser, ça doit être différente de ça. Et quand nous prenons aussi inférieur, strictement inférieur, ou voire strictement supérieur, pourquoi pas inférieur ou égal, voire même supérieur ou égal. Donc ce sont les trois opérations que nous allons voir dans la création des contraintes d'intégrité. Et en plus, nous allons voir des commandes de base. Lorsque nous allons ouvrir le check control, qui vous avez vu dans la terminaison est là, check control, ça veut dire les commandes de contrôle. Là, nous allons trouver par défaut d'abord non seulement ranger, qui est là, nous avons qui veut dire sauter, qui est là, et ainsi de suite, comme je viens de décrire. Maintenant, nous allons voir proprement dit les contraintes que moi je fais en fonction de notre fiche d'enquête sur le thème X, voilà, que je vous ai proposé. Dans la création des bases de données, je vous ai mis là-bas le lien comment télécharger la fiche d'enquête. En bas de la fiche d'enquête, vous allez retrouver là-bas les détails qui concernent les contraintes d'intégrité. Donc, la première des choses d'abord, dans le fichier, la date de consultation doit être supérieure à la date de naissance. En aucun cas, tu ne peux recevoir un patient qui va te dire que sa date de naissance est supérieure à sa date de consultation. C'est archi faux. Donc, pour ce faire, nous allons rentrer maintenant, aller exécuter cette commande ou la contrainte là qui est posée. Donc, je vous invite à aller ouvrir Epidata. Dès que vous ouvrez Epidata d'abord, vous venez ici ouvrir le fichier ou certes vous faites CTRL plus O pour ouvrir. Donc, si je clique sur ça, voici directement pour ouvrir ma base de données, comme on avait mis au niveau du bureau. Si ça trouve que pour vous, ça ne se dirige pas directement au niveau du bureau, déroulez la barre là, puis recherchez là où c'est écrit bureau, vous cliquez de nouveau dessus, vous allez voir là où c'est écrit base de données. Une fois que vous ouvrez, vous venez ici. Regardez, c'est écrit ma base, mais il y a point rec. Ça veut dire ça, c'est là où introduire les données. Il y a différents types de points. Je déroule ici la barre, regardez, il y a point rec, il y a check. Il y a que ça veut dire les questions, c'est que ça veut dire. Quand je tape sur ça, je dis ouvrir, je sélectionne là et j'ouvre. Ça m'ouvre quoi? Les questionnaires qu'on a créés, et voici ceux qui sont là. Voici, voici, voici. Et puis j'ai ajouté quelques juste de modifications que je vais vous préciser. Au niveau du 107, j'avais juste mis une valeur. J'ai mis deux. C'est-à-dire quand je mets ici d'abord une valeur, je dis 1, il va falloir que je valide par entrée pour pouvoir descendre. Sinon, si je laisse seulement qu'une seule valeur ici, sans mettre l'autre là, je mets seulement qu'une seule valeur, en supprimant 100 par exemple. Là, je serai tout simplement obligé, à chaque fois que je fais rentrer 1, ça saute automatiquement pour venir à partir de là. Vous avez vu?
Donc là, quand je fais rentrer, je serai obligé de nouveau encore pour faire taper sur entrée pour aller sur la page suivante. Parce que vous voyez, sur le champ suivant, autant pour moi. Donc c'est un peu ça, comment ça va se présenter. En plus, nous avons, je vais dire non. En plus, je vais ouvrir encore cette fois-ci par le fichier .qz, mais .rec. Là, quand je tape ici, voici. Numéro d'identifiant, numéro 1, le nom, nom, prénom, voici comment tout se présente, voilà, voici, voici, on a vu tout cela. Jusqu'ici, voilà, voici le champ aussi, commentaire. Maintenant, nous allons aller sur le but du sujet aujourd'hui, qui est le commande de contrôle. Là où c'est écrit contrôle. Si c'est en anglais, on dit check. Voilà, je tape sur ça pour ouvrir. Je tape maintenant ma base de données, je clique sur ça. Voilà, voici ma base de données qui est là. Donc, je sélectionne ma base de données et je clique ici sur ouvrir. Donc, ça s'ouvre automatiquement. Et qu'est-ce que je dois faire de nouveau? Vous avez vu la nouvelle fenêtre qui apparaît ici? Nous avons des commandes courantes qui sont là. Vue rangée, ça veut dire quoi? Former un intervalle, c'est-à-dire de 1 à 8. Donc, ça va prendre non seulement les valeurs de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jusqu'à 8. Maintenant, légal, si c'est dit seulement, c'est une seule valeur. Par exemple, je dis 15, je dis 16 ou je dis 10. Jump, ça veut dire tout simplement sauter. Donc, quand le champ est égal à 1, sauter de se rendre au niveau de quelle case. Ici, encore moche, entrer ça, c'est une obligation qu'il faut remplir forcément la case avant d'enregistrer. Repeat, ça, c'est répéter les valeurs. Voici les valeurs légales et c'est là où on va éditer maintenant, mettre les commandes dedans. Dans notre cas, la première contrainte que nous avons pu prendre, on dit que la date de consultation n'est jamais inférieure à la date de naissance. Donc, je viens d'abord, la première des choses d'abord, je clique au niveau du champ date de consultation. On m'avait dit que la date là, elle est obligatoire. Donc, je viens, je dis moche, ça c'est une obligation, ça doit être rempli. Je viens aussi, la date de consultation. Je vous signale aussi, pour programmer, il faut toujours mettre la programmation sur le champ, le dernier champ, pas l'avant-dernier. Parce que si vous mettez ici la programmation, en attendant, quand vous faites rentrer la valeur au niveau du champ de consultation, le dernier, ça ne va pas directement incrémenter les valeurs entre les deux pour faire les contraintes d'intégrité. Donc, je vous conseille toujours, si vous avez par exemple à faire une programmation entre deux champs, vous rendez par défaut sur le dernier champ. À partir d'ici, je viens maintenant ici, je tape sur éditer. Quand je tape sur éditer, voici qui est là. Donc, qu'est-ce qu'on m'a dit? On m'a tout simplement dit que la date de consultation, donc je dis after entry, si je fais rentrer les valeurs, c'est la commande là que je vais imposer, after entry, et je ferme d'abord. Là c'est end, c'est fermé. Après je vais encore, j'ouvre de nouveau, je tape espace une fois. Donc je dis if, je vais encore, je ferme ça aussi, end, if, là aussi c'est fermé. Après j'ouvre encore de nouveau, je mets espace. Ça c'est pour structurer bien mes codes, je mets ici espace. Donc si la date de consultation, elle est inférieure à la date de naissance, c'est qu'on s'est dit, alors, que faire? Affichez-moi un message, donc help, je dis help, je limite maintenant les caractères très bien, donc affichez-moi un message qu'il s'agit d'erreur de saisie, donc je mets erreur de saisie, donc si cela est fait, je mets virgule, je mets maintenant ce qui explique l'erreur, donc je dis la date de consultation. La date de consultation est toujours la date de consultation est toujours la date de consultation est toujours supérieure à la date à celle donc pour raccourcir un peu à celle de la naissance donc à celle de la naissance donc je mets ça après c'est fermé je sais maintenant de faire quoi de typer maintenant le type d'information que je vais donner donc je vais dire que ce type là c'est erreur. La personne a fait une erreur en saisissant. Donc je mets comme ça, erreur. Je limite encore les caractères bien. Je limite bien les caractères. Je tape maintenant ici, erreur. Je mets erreur en anglais comme vous voyez. Après je descends. S'il arrive à commettre des erreurs, qu'est-ce que je dois faire? Alors, je lui dis de m'effacer les sangs maintenant. En anglais comme vous entendez, voilà, je dis effacer. Non seulement la date de naissance, puis aussi effacer quoi? La date de consultation. La date de consultation. Et de nouveau, on va vous rediriger encore. Je dis go to. Partir encore de nouveau au niveau de la date de naissance pour saisir encore. Donc, c'est ce que j'ai mis ici. Si la date de consultation est inférieure à la date de naissance, alors afficher qu'il s'agit d'une erreur. Donc, effacer date de naissance, date de consultation et partir de nouveau au niveau de la
date de naissance. Donc, on va voir ce que ça veut dire. D'abord, la date de consultation, c'est une obligation, ça doit être rentré. Donc, je dis encore obligation. Je valide sur quoi? Sur ce regarder, je quitte. Je vais en prouvant, je tape ici sur saisie pour voir ce que j'ai dit, la contrainte que je viens de rentrer, est-ce que c'est respecté. Je vous conseille, moi je vais faire des contraintes de multiples, mais à chaque fois que vous rentrez une contrainte, venez pour vérifier d'abord est-ce que c'est bien validé. Je viens ici. Pour descendre, je tape sur entrée. Donc quand je tape sur entrée, regardez sans rien saisir, je tape sur entrée, on me dit que la case est obligatoire pour remplir. Donc vous avez vu, c'est respecté alors. Hein? J'essaie maintenant de remplir, mais j'utilise d'abord ma souris pour sauter un peu. Supposons que ce qu'on vient de mettre, je dis que ma date de naissance, je prends la date d'aujourd'hui, c'est le 13. Aujourd'hui, je dis c'est le 13 et 5e mois 2018. Je prends ma date de consultation, je mets 31, 12e mois, je mets 1993. Et regardez, ici la date de consultation elle est inférieure à celle de la date de naissance. Donc dès que je tape sur entrée, vous avez vu, type erreur, le message apparaît, erreur de saisie. La date de consultation est toujours supérieure à celle de la naissance. Donc, dès que je tape sur OK, ça va m'envoyer effacer les deux champs automatiquement et m'envoyer de nouveau au niveau de la date de naissance. Regardez, OK, tu as vu, les deux champs se sont automatiquement effacés et ça m'a envoyé ici. Donc, c'est un peu comme ça, on va progresser au fur et à mesure. Donc, je ferme, sans enregistrer, je me rends encore au nouveau niveau de contrôle, je viens, j'ouvre ma base de données, et bien là, je continue. On était juste là, on a rentré, c'est une obligation, là, c'est une obligation, mais l'âge. Dans notre support de texte, on avait dit qu'on allait calculer. Connaissant la date de consultation et la date de naissance d'un patient, tu n'as pas besoin de lui demander l'âge, donc tu dois directement incrémenter et calculer ça. Pour ce faire, donc je dis que le champ âge là ne doit pas être entré. Donc je dis non, entré. Ne doit pas être entré. Donc aucune valeur ne doit être introduite dedans. Ça c'est bon. Je viens ici. Maintenant, comme aucune valeur ne peut être introduite dedans, donc ça veut dire que je ne peux pas faire rentrer des données dedans. Donc je dois incrémenter pour calculer automatiquement. Je me rends au niveau de la date de consultation. Je clique encore sur éditer. Donc je viens ici. Au niveau de moi, je descends ici. À partir de là, je dis attribuer. Mais je dis d'abord c'est after entry. Après avoir fait rentrer toutes les valeurs au niveau de la date de consultation. Donc je tape ici. Je fais un peu d'espace. Je dis maintenant attribuer qui veut dire lettre. Bon, ça c'est facultatif, vous pouvez ne pas mettre lettre. Donc je dis attribuer, je regarde ici, âge, comment c'est bien abrégé le nom ici. Voilà, je mets âge. Je voulais bien voir vos dictionnaires de données parce que c'est peu que moi je modifie ici. Mais en fonction de la manière dont vous avez fait votre dictionnaire de données, c'est comme ça aussi que vous devez taper ici les valeurs de commande. Si vous tapez et que le nom n'est pas là, ça va vous dire que ça ne reconnaît pas. Exemple, quand moi je mets seulement âge, je dis d'abord, je mets très bien, je dis âge est égal à la fonction d'abord trim qui permet de faire la différence pour moi. Donc j'ouvre les parenthèses, je viens ici. Je recopie bien. Je dis c'est la différence entre quoi? La date de consultation moins la date de naissance. La date de naissance pour moi. Donc c'est tout cela maintenant divisé par l'année. Dans l'année, nous avons combien de jours? 365 jours. Donc je dis divisé. C'est cette valeur-là que je dois diviser maintenant par 365. J'ai mis 265. Donc 365. Moi, je mets virgule 25 pour avoir les valeurs standards numériques, pour ne pas avoir des valeurs décimaux. Donc, c'est ce que j'ai fait. Dès que je tape sur ici, regardez âge qui est là. Il y a pas E à la fin ici. Donc, si je mets ici E et je valide ici par OK. Ça va me dire que le nom de champ que j'ai saisi est introuvable ou c'est incorrect. J'avais vu le nom de champ qui est là, que j'ai saisi, c'est introuvable ou c'est incorrect. Donc, dès que j'essaie de changer ça de nouveau, je supprime, j'enlève comme ça, conformément à ce qui est là. Donc, je valide ici sur OK, ça reconnaît. Donc, toujours prêtez attention en fonction des noms de votre dictionnaire. Donc, cela est fait et je valide ici sur sauvegarder. Donc, je quitte encore. Je viens pour appliquer cela. Je rentre dans saisie, j'ouvre la base des données. Je me rends ici, la date de consultation. Je sers date de naissance, je dis 31, 12e mois, je mets 93, je descends. Date du jour, c'est le 13, je mets 5e mois et je mets 2018, je rentre.
Vous avez vu, j'ai directement sauté et ça n'a pas attribué une valeur au niveau du champ âge. Je suis directement rétribué au niveau du champ sexe. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je n'ai pas dit de montrer le résultat qui est là. Donc, ça a directement sauté pour moi. Ça n'a pas mis les résultats ici. Donc, je reviens de nouveau pour calculer encore cela. Donc, je ferme ça. J'abandonne. Je viens au contrôle encore. J'ouvre la base de données et je me rends au niveau du champ âge. Donc, date de consultation, je viens, j'édite ça. J'ouvre bien. Il dit après avoir entré la date de consultation, attribuer que la date de naissance est égale à date de consultation moins la différence des deux, c'est ce que je viens d'imposer ici. On se rend aussi au niveau du champ sexe. Qu'est-ce qui se passe au niveau du champ sexe? Le champ sexe, je vais vous afficher après la valeur ici et à quoi ça va donner. Le champ sexe, ça veut dire quoi? C'est un champ de commentaires. Nous avons une et deux valeurs qui doivent être introduites dedans. Donc, nous commençons d'abord par ranger les valeurs. Donc, je mets 1 ici. Après, j'ai dit c'est de 1 à 2. C'est les deux valeurs-là seulement que ça doit prendre. Donc, de 1 à 2, et je ferme par virgule. C'est ça. Ça, j'ai rangé comme ça. Et je me rends encore. On m'a dit que lorsque je vous ramène sur la commande pour voir ce que ça donne. Voilà. Je relis ça. La date de consultation doit être toujours supérieure à la date de naissance. Nous avons effectué ça. Après, si sexe est égal à homme, masquer les contraintes 6, 10, autre comme remplir les contraintes. Donc, si le sexe est égal à homme, donc ça veut dire forcément qu'il faut faire quoi? Qu'il faut non seulement masquer les contraintes là qui sont là. On en viendra sur le numéro 6 et le numéro 10, vous allez voir là-bas. C'est le nombre de grossesses, nombre de fausses couches, nombre d'accouchements, c'est tout cela qu'on doit cacher. Et les attribuer maintenant une valeur qui doit être négative. Voilà, c'est ce que nous devrons faire. Donc pour ce faire, j'ai sélectionné le champ sexe en haut. Je viens ici pour éditer le champ sexe. J'ai dit d'abord et type d'abord pour. Je me rends d'abord ici au niveau du champ sexe. Je tape ici sur entrée, voilà pour valider. Donc je dis quoi? After entrée, toujours je commence par ça, après avoir entré. Vous pouvez mettre aussi before, ça c'est avant. Mais pour le moment, on va suivre l'évolution en fonction de notre fiche d'enquête. On verra ça à la suite. Donc je tape sur entrée et là espace. Je mets encore if, je tape, je ferme encore bien, je dis end, if. Voilà, après je viens encore, j'ouvre de nouveau, je tape espace, et là aussi je tape espace. On dit si le sexe, qui est bien ici le nom, donc je mets SX, est égal à quoi? Je limite. Si le sexe est égal à 1, c'est homme, donc si le sexe est égal à 1, la valeur 1, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Donc je dis then, alors je viens à la ligne. Alors il faut attribuer. Donc, je mets deux espaces. Alors, attribuer. Là, attribuer que le nombre de grossesses. Là, le nombre de grossesses est égal à 0. Je fais la même chose. Donc, j'essaie de sélectionner ça comme ça. Je coche ça comme ça. Je fais copie, CTRL-C, copie-coller. Je viens ici et CTRL-V pour essayer de coller. Donc, dès que je colle là-bas, je mets ça, c'est le nombre de grossesses qui doit être égal à 0. Donc, je dis encore nombre de fausses couches. Donc, NF, si nombre de fausses couches doit être égal à 0, je me rends encore là, je fais ça. Après, je dis nombre d'accouchements aussi. Nombre d'accouchements doit être égal à 0. Après, je me rends encore où je colle encore. Je dis nombre de quoi? On fait nombre d'accouchements et nombre d'accouchements par voie basse. Nombre d'accouchements par voie basse, ça aussi égal à 0. Et là aussi, je viens, je tape sur entrée, je colle encore. On fait nombre d'accouchements par voie basse. Nombre de césariennes aussi égal à 0. Et je tape encore sur entrée, je colle ça. Nombre de césariennes égal à 0. Nombre de bébés vivants. Voilà, nombre de bébés vivants. On a dit ici nombre de césariennes, donc nombre de naissances vivantes égale à 0. Je tape encore sur l'entrée et je colle. Donc on est au niveau de nombre de bébés, nombre de bébés vivants, donc considérant nombre de morts nés. Donc je mets ici nombre, je tape ici nombre de morts nés qui est là. Après je tape encore sur entrée, nombre de morts, nombre de bébés vivants encore. Donc, nombre
Il sélectionne ça, nombre de bébés vivants. Nombre de bébés vivants encore. Après, je tape sur l'entrée, je colle encore. Nombre de bébés décédés à la première semaine. Nombre de bébés décédés à la première semaine. Nombre de bébés décédés à la première semaine. Je tape encore sur l'entrée, je colle. Nombre de bébés décédés après. Donc, nombre de bébés décédés après. Donc, j'ai mis ça. Il faut attribuer 0 à tout cela. Et après cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les cacher encore. Donc, j'essaie de copier tout cela. Je viens ici, je me rends là. Je mets espace, voilà, jusqu'à ce niveau. Je colle ici. C'est là où ça se limite. Nombre de bébés vivants. Voici nombre de bébés vivants. Donc, j'essaie de changer tout cela. Pour cacher, c'est la fonction hide. H-I-D. C'est ce qui veut dire cacher. Donc, la valeur qui est là, j'essaie d'effacer cela. Est égal. D'accord. À 0, j'enlève ça. De même encore, égal à 0, j'enlève ça. Et là aussi, le même, j'essaie d'éliminer tout cela pour mieux respecter la commande que je suis en train de donner. Sinon, ça va générer que la commande n'est pas reconnue. Donc, j'enlève tout cela. Et partout, il y a let, je fais remplacer par it. Donc, aide, je viens ici pour coller là. Encore, je viens ici pour coller. Là aussi, je sélectionne, je colle. Et là aussi, je sélectionne, je colle, je copie d'abord là, je sélectionne, je colle, 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 je sélectionne, je colle. Donc, maintenant, qu'est-ce que j'ai dit ici? Je dis si la date, si le sexe autant pour moi égal à 1, d'attribuer 0 à tous les champs qui sont là, puis les cacher. Maintenant, ici, ce n'est pas égal à 1, à l'unité. Donc, il n'est pas question de les cacher. Donc, je dis autre, le self. Autre que ça, mais self, c'est autre que ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les afficher. Donc je les sélectionne à partir d'ici, et les copie, je viens là, je colle. Donc autre que ça, je dis je les affiche, c'est une, it, comme ça. J'ajuste seulement un, comme vous entendez en français. Donc je copie ça, je colle, encore je remplace là, je remplace encore ici, de là aussi. Continue jusqu'au niveau de nombre de bébés décédés après. Voilà, j'essaie de remplacer tout cela. Encore, je sélectionne, je remplace. Jusqu'ici, j'ai remplacé. Donc, l'espace vide qui est là, j'essaie d'éliminer ça un peu. Voilà, ranger. Voilà. C'est ce que j'ai fait ici. Donc, j'ai rangé, j'ai mis le tout cela et je valide ici par OK. Donc, je dis accepter. Maintenant, vous avez vu, on me dit ligne 29, commande incorrecte. Donc, je descends ici, je cherche ça. Où il y a ligne 29 pour voir l'erreur que j'ai commise pour mieux comprendre. Donc on dit commande inconnue. Je me retrouve ici, je regarde bien les erreurs que j'ai fait. On dit si sexe est égal à 1, alors attribuer 0000 à tout cela, puis les cacher hide, jusqu'ici les cacher, juste là, c'est bon. Si tel n'est pas le cas, d'afficher ceci. Vous avez vu ici ce que j'ai mis, afficher DD. Vous l'avez vu? Ça prend non seulement à hide afficher encore des nombres de naissances. Donc j'essaie d'enlever ça. Ça ne reconnaît pas ça. À partir d'ici, je regarde encore de nouveau. Est-ce que ce que j'ai fait c'est correct? Je tape sur OK. Ça me dit encore commande 29 non reconnu. Donc si cela est fait, vous pouvez trouver ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Voilà, 29 à partir d'ici. Je me rends ici. Regardez ce qui est écrit ici. Très bien. Vous avez vu? C'est on id. Donc, j'essaie de changer ce qui est là, la commande là. Je change et j'enlève ça. Le HI qui est là. Vous avez vu? C'est même conforme aux autres maintenant. Donc, je fais ces erreurs de c'est pour que quand vous-même vous arrivez à le faire au cours de votre programmation, que vous vous rendez compte comment vous devriez le faire. Donc, prêtez beaucoup attention pour le moment. Donc, dès que je valide ici sur accepter, ça prend. Donc, cela est fait. Je dis maintenant et sauvegarder. Je vais essayer maintenant d'aller tester ça. Je viens, je saisis ici. J'ouvre ici. Je me rends au niveau du champ sexe. Donc, quand je dis c'est égal à 1, je tape par exemple sur entrée. Je quitte ici. Je ferme ça d'abord. Je fais descendre maintenant ici au niveau de l'ascenseur. Regardez, nombre de grossesses, nombre de fausses couches, tout ce qui est là, les chances sont égales à 0. Et c'est caché, je ne peux rien faire entrer là en cliquant. Tout est caché. Vous avez vu? Voilà, c'est si intéressant. Maintenant, il y a quelque chose qui manque.
Le sexe, si c'est homme, ça doit afficher ici le résultat pour que je me rassure. Le 1 là, c'est quoi? C'est homme ou bien c'est femme? Donc, je viens aussi pour introduire ça. Donc, j'ai abandonné. Voilà, je viens ici, contrôle de nouveau. J'ouvre aussi la base des données. Je me rends encore au niveau de sexe. Cette fois-ci, je viens pour éditer. À partir d'ici, je mets la commande ici, show, qui veut dire montrer en anglais. Après, je tape montrer quoi et type de commande qui est dedans. Donc, type, je mets type, donc je mets commentaire. Type de commentaire, le type de commentaire qui est dedans, je valide par OK, je sauvegarde, je quitte. Je viens encore, je ouvre encore de nouveau pour saisir. En devant, je clique ici, voilà, sexe. Quand je tape par exemple ici, on, je mets entrée, je vis directement, automatiquement, la valeur apparaît ici pour me dire que c'est un nom. Si j'enlève ça, je mets par exemple 2, je tape sur entrée, automatiquement ça devient quoi? Une femme. Et si c'est 2, en ce moment ça devient une femme, les champs là ne deviennent pas automatiquement nuls. Donc ça peut être saisi. Vous avez vu? 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 Vous avez vu ce que ça donne? Voilà, c'est un peu ça. Donc je ferme ça, je dis voilà, abandonner, je quitte, je viens aussi au niveau du contrôle, j'ouvre encore. Donc nous avons tout simplement vu d'abord et la commande de cacher si sexe est égal à 1, nous avons attribué ceci. On se rend encore pour voir qu'est-ce que ça donne. Troisième contrainte, on me dit quoi? Si le statut matrimonial, la profession, la résidence n'est que autre, c'est-à-dire hormis des valeurs qu'ils ont données là-bas, voilà. Domicile, des choses comme ça, afficher les champs de saisie. Par contre, si tel n'est pas le cas, masquer les champs de saisie. Donc, afficher les autres, les champs de saisie autres, si ceci n'est que autre, d'afficher les champs de saisie pour autres, on fait rentrer les valeurs. Par contre, si tel n'est pas le cas, de les supprimer ou de les masquer automatiquement. Donc, on sera encore de nouveau. Je viens ici au niveau de statut matrimonial. Et dans mon truc, d'abord, c'est obligatoire. Je viens yes. Je déroule ici au niveau de valeur. Légal, donc je regarde. Statut matrimonial, ça se limite au nombre 5. Donc je viens ici pour ranger. Donc je dis c'est de 1 à 5. Je ferme là-bas bien. Je viens maintenant pour éditer maintenant. Vous avez vu, c'est rangé. Voilà, saut ici, je mets commande saut. Ça c'est pour montrer. Donc je mets encore type ici. Type commentaire. Donc je mets type commentaire. Commentaire. Après, je viens encore, c'est une obligation pour entrer. Je viens maintenant pour mettre maintenant la contrainte là. Je dis after entry, voilà, je tape after entry, Y. Donc, je ferme encore end, je viens encore de nouveau, je ouvre, après je mets espace, je mets if, je mets espace, je viens, je mets end, encore if. Donc, je tape encore sur entrée, espace, là encore espace. Maintenant, on avait parlé des opérations de type relationnel, où on avait dit égal ou supérieur ou inférieur. On avait parlé de différent là-bas. Donc, j'ouvre maintenant supérieur, je dis inférieur ou supérieur. Donc, je délimite bien les caractères. Et je dis si. Alors, quelle valeur d'abord peut être supérieure ou inférieure? C'est le statut matrimonial. Donc, je mets statut matrimonial. Si le statut matrimonial est différent de 5, c'est-à-dire n'est pas égal à 5, si c'est différent de 5, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, je viens ici. Alors, maintenant, je vais dire de cacher. Donc, hide. Si c'est différent de 5, si c'est différent de 5, de cacher comme ça, autre 1. Donc, de me cacher, autre 1. Mais si tel n'est pas le cas, alors, donc, autre que ça. Il faut m'afficher, donc ne pas cacher un hide. Donc il faut afficher autre. Afficher autre 1. Donc c'est si simple. Donc je valide ici par OK. Je sauvegarde et je quitte. Je viens maintenant pour saisir, pour contrôler cela. Donc j'ouvre ici. C'est la même chose. Je me rends ici tout juste. Voilà. Si je tape ici sur 2, par exemple 2, je tape ici sur entre. Là, lui, ça saute directement la case qui est là. Ici, ça saute directement, ça me rend ici. Donc rien, je ne peux rien introduire ici. Par contre, si je veux me retourner en utilisant sur mon clavier, je tape sur touche majeure et tabulation, ça se retourne. Donc je supprime ici. Je tape par exemple 5. Donc dès que je mets entrée, je vais me retrouver dans la case saisir autre. Dès que je tape sur entrée, voilà, j'ai vu. Là, il est question de saisir autre. Mais dès que je reviens ici, je mets ici 2, je quitte ici.
La vie d'une veuve, donc ça n'a rien à voir avec ça. De même, je vais faire pour profession et pour résidence. Donc, je quitte ici, je ferme, sans enregistrer, voilà. Je me rends encore au niveau du contrôle, on retourne encore, j'ouvre. Je vais, on a fini avec statut matrimonial, la profession. Donc, je viens ici, d'abord, valeur légale pour savoir, c'est de 1 à 9. Donc, je limite d'abord, je range de 1, je mets de 1 à 9. De 1 à 9. Donc, je ferme à partir de là-bas. Je ferme avec virgule. Et ça, je ne sais pas si statut matrimonial, voilà, obligatoire. La profession aussi, je mets ici obligatoire. Donc, je me rends ici pour éditer. Donc, je montre toujours d'abord par saut, montrer, commentaire, et type, comment. Donc, je mets type, comment. Donc, je quitte là-bas. Je descends, je tape ici sur entrée. Donc, je mets seulement encore after entry. Je mets after entry. Je tape encore sur entrée. Je mets end. Je reviens ici, espace. Je mets if. Je tape entrée. Je mets end. If. C'est bon. Et je tape encore sur entrée, espace. Là aussi, je mets espace. Maintenant, c'est si quoi? Si la profession, si profession qui est là, elle est différente encore. Donc, inférieur ou supérieur. Je délimite bien ma chaîne de caractères est différente de quoi? De 9, de la valeur 9. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai dit alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut directement me cacher la valeur id, me cacher la valeur quoi? Cette fois-ci, autre 2. Donc, je mets autre tout, autre 2. Et si tel n'est pas le cas, self autre. Donc, afficher-moi ce sang. Donc, afficher autre. Donc, afficher autre 2. Afficher autre 2. Donc, j'élimine l'espace là pour bien structurer. Quand je valide ici sur OK, on me dit encore la même chose. On me dit ligne 4, commande incorrect. Donc, 1, 2, 3. Je me rends ici, ligne 4. Donc, vous avez vu commentaire. Qu'est-ce qui manque là-bas? J'essaie maintenant de valider par OK. Vous avez vu ici? Regardez bien si vous avez bonne mémoire. Type, il n'y a pas P ici. Donc je tape ici P. C'est de voir de nouveau ce que ça donne. Mais dit type commentaire. Donc il y a M encore qui manque ici. Je tape ici M. Je valide par OK ça appuie. Donc prêtez toujours attention. À chaque 2-3 champs, j'essaie de faire des erreurs de répétition pour que vous puissiez comprendre. Dès qu'il y a une erreur dedans, comment vous devrez vous retrouver. Donc je sauvegarde ça. Je viens encore au niveau des résidences. Je regarde ici, je clique ici, c'est de 1 à 6. Donc je me limite ici là, je mets de 1 à 6. Donc je ferme ici très bien. Je dis c'est un champ obligatoire, moche. Donc je viens aussi pour éditer. Je commence d'abord par ici pour montrer le champ. Donc show. Après je descends, je dis type. Je tape type. Je mets type. Après, voilà type. Je mets commentaire. Type commentaire, c'est ce que ça doit montrer. Après, je descends ici, je dis after entry. Donc, after entry. Je mets after entry. Donc, je mets end. Ça, c'est fermé. Je rentre encore. Je mets encore ici if. Je tape sur entry. Encore end. If. End. If. Encore. Voilà. Je supprime l'espace là pour mieux structurer. Je tape sur entry. Espace. Je rentre ici. Espace. Donc, c'est ici la résidence. Si la résidence. Si la résidence est différente de quoi? Si la résidence est différente de 6, je limite bien caractère, est différente de 6. Donc, alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Ce qu'il faut faire, c'est la même chose, c'est de cacher maintenant le champ autre encore. Cette fois-ci, c'est autre 3 pour moi. Si tel n'est pas le cas, elle-self, donc affichez-moi le champ autre. Donc, affichez-moi le champ autre qui est là, autre 3. Donc, c'est si simple, j'enlève l'espace là, voilà. Et bien, je vais maintenant, ils acceptent pour valider. Là-bas, c'est bon, je sauvegarde. Donc, on a fini la deuxième contrainte. Donc, je descends là-bas. On se rend voir la littérature, ce que ça nous donne. Quatrième, on dit si le sujet n'est pas tabagique, masquez le nombre de cigarettes fumées par jour, nombre d'années d'exposition, le nombre de paquets années et attribuez au statut fumeur zéro, c'est-à-dire jamais fumé. Voilà, donc on vient pour respecter la contrainte là aussi. On se rend ici. Statut fumeur, ça ce sont les symboles. Donc c'est une obligation. Moche. Donc si c'est non, donc on se rend ici. On édite, on vient ici.
Donc, je me rends ici, je tape ici sur entrée. Donc, qu'est-ce que je vais mettre? Je dis non. If after entry d'abord, toujours la première des choses. After entry. Donc, je tape, je mets end. Je rends ici espace, je mets if. Je tape sur entrée, je mets end. Encore if. Voilà. À partir de là, je me tape. Si vous voulez, je peux non seulement copier la commande là pour me faciliter un peu la tâche comme ça. À chaque fois que je viens de nouveau, donc j'essaie de coller pour partir si vite. Donc je mets là, ici si le tabac, donc TBA, on a abrégé le nom. TBA c'est si le tabac. Et donc je délimite d'abord le champ avec les chaînes. Voilà. Si le tabac est égal à non, voilà. Donc alors qu'est-ce qu'il faut faire? Je reviens ici. Il faut automatiquement non seulement mais cacher les champs là, mais les attribuer d'abord des valeurs numériques. Donc il faut d'abord les attribuer lettres. Donc attribuer statut fumeur. Donc statut fumeur est égal à combien? Statut fumeur est égal à 0. Donc j'essaie de copier la valeur là. Je reviens de nouveau. Voilà. Je tape ici sur entrée. Je colle. Encore entrée, je colle. Encore entrée, je colle. Maintenant, je viens ici. Statut fumeur égal à 0. Donc, nombre de cigarettes aussi fumées par jour. Nombre de cigarettes par jour aussi égal à 0. Après, nombre d'années d'exposition. Nombre d'années d'exposition aussi égal à 0. Nombre de paquets années. Donc, je mets nombre paquets années aussi égal à 0. Puis, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aussi les cacher pour moi. Donc, j'essaie de les sélectionner comme ça. Je viens tout simplement là, je les colle. Donc, au lieu que ça ne soit ici lettre, je dis comme ça, id. Donc, je copie ça, je viens ici, je les colle. Et là, je colle. Encore là, je colle. Ici, voilà. Jusqu'ici, c'est bon. J'essaie maintenant d'éliminer l'égalité qui est là. J'enlève ça. De même, encore ici. Voilà, égal à 0. Là aussi, j'enlève tout cela. Je pars encore de nouveau, je copie ça comme ça. Voilà, c'est bon. Si tel n'est pas le cas, alors else self, on dit autre que, donc espace, je colle. Donc qu'est-ce qu'il faut donner cette fois-ci pour moi? Il faut les afficher pour moi. Donc j'avais juste U. On dit, je copie ça, je colle ici, et de même encore, je colle. Là aussi, je colle aussi. Donc j'ai tout simplement dit, si le tabac, si le sujet ou la patiente ou la personne n'est pas tabagique, alors, statut fumeur, jusqu'au niveau de nombre paquet d'années, je les attribue tous 0 et puis aussi de les cacher de nouveau pour moi. Donc, vous avez vu encore, de même chose que on me dit ligne commande, nom de champ introuvable. Donc, le nom de champ que j'ai saisi est incorrect. Donc, je me rends ici au niveau des lignes 5. Vous comptez très bien, vous commencez les lignes 1, 2, 3, 4, 5. Donc, je me rends ici pour savoir. Et à partir de là, 1, 2, 3, 4, 5. Regardez très bien ici. Statut fumeur, il n'y a pas M ici. Donc j'essaie d'aller le M qui est là. Dès que je valide sur OK, donc je me rends ici, regarde statut fumeur. Donc c'est STFU qui est là. Donc ligne 6 encore, nom de champ aussi, ça aussi c'est introuvable. Donc je me rends ici, ligne 6, ça on était à 5. Maintenant c'est nombre de cigarettes par jour qui est là. Donc je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, nombre de cigarettes par jour, j'essaie d'enlever ça. Par jour, qu'est-ce que ça donne? Je valide ici par OK, on me dit ligne introuvable. Donc, j'enlève ça. Ici encore, regardez, nombre d'années d'exposition. Le P qui est là, j'enlève ça aussi. Paquet années, c'est bon. Donc, je valide par OK. Je vois encore qu'est-ce que ça donne. On me dit ligne encore 6, c'est introuvable. Donc, nombre de paquet années, statut fumeur encore, j'enlève ça. Ce qui est là, nombre d'années d'exposition, j'enlève ça encore. Je descends encore de nouveau, statut fumeur, j'enlève ça. Paquet d'années d'exposition, j'enlève ça. Mais regardez très bien, jusqu'à présent, la commande est là, on me dit 6, que c'est introuvable. Donc ça veut dire que c'est le champ là qui botte toujours. Donc je viens de nouveau, j'essaie d'enlever ça comme ça. Si j'enlève ça très bien, voilà. Je mets ça ici, bon. Et que je reviens ici, voilà. Nombre de cigarettes par truc, j'enlève ça. Nombre de cigarettes par jour. J'enlève ça par exemple ici. Encore.
Je me rends aussi nombre de cigarettes cachées. J'enlève ça encore. Voilà. Je fais comme ça, c'est bon. Dès que je tape sur OK, ça prend. Donc, ça veut dire que la valeur que j'ai mis comme ça ici, ce que j'ai mis là, le slash là qui est là, c'est ce que ça ne reconnaît pas. Regardez de nouveau. Je me rends ici, je tape ici, je mets lettre. Il dit nombre de cigarettes, je mets slash par jour, je mets ici égal et je mets ici 0. Après, je me rends encore ici, là où je dis caché, donc je dis end it, je mets comme ça. Et je mets aussi nombre de cigarettes, je mets par jour, je dis ici égal à 0. Nombre de cigarettes ici, c'est bon, voilà, je dis ici égal à 0, voilà, je cache. Quand je mets ici sur OK, on me dit ligne 7 encore, introuvable. Mais dès que j'enlève le slash là, je mets comme ça, mais le nom de champ n'existe pas. Donc le nom de champ là n'existe pas. Donc ce que ça veut dire, je dois tout simplement changer pour moi de nouveau. Le nom de champ est introuvable. Donc je dois tout simplement changer ce qui est là, le slash qui est là, très bien pour le mettre. Donc je reviendrai sur ça après. Pour le moment, on va ajouter le champ. J'enlève ça automatiquement, j'enlève ça ici. Et par là aussi, j'élimine ça comme ça. On garde bien, voilà, ici je sauvegarde. Je viens pour appliquer ce que j'ai tout simplement mis. Je me rends ici pour saisir. J'ouvre de nouveau la base des données. Vous avez vu, on était où, tabagique, voilà. Si je mets ici, par exemple, non. Vous avez vu, tout cela, c'est non, c'est non, c'est non, c'est caché. Mais seulement ici, nombre de cigarettes par jour, c'est ce qui n'est pas caché. Donc pour ce faire, il va falloir que je fasse quoi? Que je modifie. Le truc là où je vais tout simplement de nouveau et créer les questionnaires, c'est de là où je dois me rendre maintenant pour modifier. Donc c'est si simple. J'essaie de fermer ça, non enregistré. Je viens, j'ai dû ouvrir. Je change le truc au lieu que ça soit avec. Je dis QG ici, je dis ici ouvrir. Donc j'ouvre ça. Je me rends de nouveau. Je viens ici, nombre de cigarettes par jour. Donc j'élimine ça. Je mets ici espace. Voilà, je valide ici. De même encore, nombre de verres par jour, j'élimine ça, je viens, je mets ici espace. Donc j'essaie d'enregistrer ça, et ben voilà, je ferme, et je viens ici au niveau de l'outil là, et dis maintenant de modifier maintenant le question d'abord, rect avec QS. Donc je tape ça, et valide ici par OK. Le fichier original a été modifié, et avec tu. Donc je viens encore de nouveau pour faire contrôle maintenant du fichier. Donc j'ouvre ici, contrôle, voilà. Je me rends au niveau de la base des données. Je viens ici. Regardez là où j'écris nombre de cigarettes. Vous avez vu nombre de cigarettes? Donc dans ce cas, cette fois-ci, nous n'avons pas du tout ici slash qui est là. Donc je me rends, je viens aussi au niveau du tabac. Je fais défiler encore un peu. J'essaie de cette fois-ci d'éditer là où il y a tabac là. Voilà, j'édite encore. Je viens nombre de tabac, voilà, statut fumeur, nombre d'années d'exposition et nombre de cigarettes. Donc c'est ici que je dois mettre l'espace. Donc je fais entrer, je dis attribuer que nombre de cigarettes par jour est égal à 0. Donc je coche ça très bien. Voilà, je copie. Je viens encore ici. L'attribuer c'est là. Si tel n'est pas le cas, encore ici, le cacher. Donc id, donc je cache très bien la commande. Encore je viens encore ici, je tape ici, je colle. Après je dis là tout simplement l'afficher. End id afficher. Donc j'enlève l'égalité qui est là et aussi l'égalité qui est là. Non, l'attribué c'est bon et ici. Voilà, j'enlève tout simplement là-bas. J'essaie de valider par OK. Vous avez vu, ça prie, ça marche bien. Donc attention, attention. Les slash, les caractères, les ponctuations, n'essayez pas de mettre dans les noms. Donc j'ai mis deux exemples ici pour que vous puissiez comprendre encore cela. Donc choisissez soigneusement le nom au cours du dictionnaire. Si vous vous rappelez bien, dans le tuto, on avait pris, lorsque j'avais fait juste une fenêtre ici, là où il y avait bloc-notes, j'avais mis là-bas des liaisons de barres. Donc par après, j'avais enlevé tout cela. Donc ça revient à la même chose. Donc je sauvegarde à cela. Je sais maintenant à quoi m'attendre tout cela. Donc, pour le tabac, je fais cela. Je viens encore, je me rends ici au niveau du statut fumeur pour savoir ce que ça donne. Statut fumeur, quand je viens ici, valeur légale, c'est de 1 à 2. Mais par contre, j'avais programmé que si
Le patient n'est pas tabagique d'attribuer ici 0. Donc l'égal ici, je vais mettre de 0 à 2. Donc je mets 0 comme ça, de 0 à 2. Maintenant, je ferme là-bas. Donc je me rends encore de nouveau ici, par non obligatoire, je dis voilà, sauvegarder, c'est bon. Je viens aussi, nombre de cigarettes par jour. Donc la valeur sur votre fiche d'enquête, c'est écrit là-bas. Donc j'avais pris de 0 à 40. Voilà, 0 à 40. Après, je ferme ici. Je viens ici, je valide cela par OK. Après, nombre d'années d'exposition. Donc, de 0 encore à 60. Donc, je prends 0. J'y vais jusqu'à 60. De 0 à 60, voilà. Après, je valide ça par OK. C'est si simple. Maintenant, le nombre d'années d'exposition, ça sera déterminé en fonction du rapport de tout ce qui est là. Parce que ça doit être calculé. Nombre d'années d'exposition, nous allons venir ici pour calculer cela. Et qu'est-ce que nous allons dire au niveau du nombre d'années d'exposition? C'est un champ qu'on ne doit pas remplir. Donc nous allons venir ici, no entre. Donc je mets comme ça, no entre. Donc ça ne doit pas être rempli. Je valide ça par OK. Et encore, je viens de nouveau. Je fais la programmation où c'est after que je vais mettre, pas before. Donc je me rends ici au niveau du nombre d'années d'exposition. Nombre d'années d'exposition, j'ouvre le champ et je pousse ici, qui est rangé jusqu'à 6. Je tape ici sur Entrée. Je dis AFTA, je mets maintenant Entrée, AFTA, Entrée, je tape encore, Entrée, Entrée, je dis End, je viens ici, Espace, je dis If, Entrée, End, encore If. Je viens, je tape ici, Espace, voilà, je tape encore ici. Si, quoi? Bon, c'est si simple, voilà, j'enlève, ce n'est même pas une condition, c'est juste attribué, voilà, j'enlève ça. Ça sert pas à grand chose. Voilà, j'ouvre ici de nouveau. Je dis after entry. J'essaie de revenir de nouveau. Voilà, je dis after comme ça. After entry. Je tape encore espace. End. Voilà, je dis ici espace. Donc c'est si simple. Et je dis après avoir entré le nombre d'années d'exposition. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, attribuer. Donc, je dis let. Attribuer, je mets espace. Je vous ai dit que ça, c'est facultatif. Vous pouvez ne pas le mettre, mais habituez-vous à le mettre parce que dans le cas des pieds info 7, vous allez trouver que là-bas, c'est assigné. CSS Pro, là-bas aussi, il faut utiliser le content. Et plus particulièrement, si c'est dans le logiciel R, là-bas, c'est tout simplement avec les syntaxes. Donc, habituez-vous à utiliser let. Comme ça, vous allez mémoriser tout le temps à assigner une valeur à un champ. Donc, let. Donc, attribuer que. Le nombre de paquets années, nombre de paquets qui est là, ou juste ici, nombre de paquets années Q est égal. Donc, nombre de paquets années est égal, j'ouvre les parenthèses deux fois et je ferme. Donc, je dis nombre de paquets années est égal à quoi pour moi? Mathématiquement, le nombre de paquets années qui est là, c'est toujours égal à quoi? C'est le nombre de paquets années est égal à quoi? C'est le nombre d'années. Nombre de cigarettes que la personne fume. Donc, nous supposons que dans les mégots, si la personne me dit, je viens ici, je dis nombre de cigarettes par jour, qui est toujours, voilà, la multiplication, les opérations arithmétiques qu'on avait parlé tout à l'heure. Donc, je fais ici la multiplication avec star. Donc, c'est la multiplication qui est là. Multiplier, bon, mégots, je peux prendre 20 mèches dans ça. Voilà, nombre de cigarettes fumées par jour. Multiplié par le nombre d'années d'exposition chez le patient. Donc, nombre, je mets comme ça, nombre d'années d'exposition. Nombre d'années d'exposition. Divisé maintenant par quoi? Par cigarettes que, le paquet de cigarettes que la personne fume. Donc, si c'est 40 mèches, si c'est 20 mèches, donc par défaut, 10, voilà, ou d'autres, c'est 20. Donc, moi, je prends ici 20. Je mentionne ici par OK, c'est pris. Donc, je sauvegarde cela, je quitte. J'essaie maintenant de me rendre de nouveau pour saisir, voir que la contrainte que j'ai fait entrer, est-ce que ça donne? Donc, je me rends tout simplement au niveau de cigarette. Cigarette, voilà, là. Donc, si je dis que le patient ne fume pas, vous l'avez vu, tout cela c'est 0, 0, 0, 0, 0, ça m'amène au niveau du statut alcoolique. Si le patient aussi est alcoolique ou pas. Donc, si je viens par niveau, j'enlève ça, je mets yes. Vous avez vu ce que ça donne? Yes, vous avez vu ce que ça donne? Voilà. Donc, si je mets ici statut fumeur qui est là,
Donc, je mets par exemple ici 2. J'essaie ici de faire entrer 2. Je mets 2. Je tape sur entrée. Voilà, c'est le nombre qui est là, nombre de cigarettes qu'il fume, nombre d'années d'exposition. Je dis par exemple, il a fumé pendant 20, 23 ans. Je tape ici sur entrée. Donc, j'ai directement la valeur qui est là pour moi, incrémentée. Si je prends ici par exemple, je dis 14. Donc je descends de 8, c'est 16 automatiquement. Si je prends ici par exemple, je dis 5 à 6, donc je tape entrée. Mais la valeur par défaut, j'avais dit que ça ne dépasse pas 40 mèches qu'il fume par jour. Donc je dois tenir compte de cela. Donc si je mets ici au maxi, je mets ici 40. Tout simplement, je tape sur entrée, encore entrée, ça va 46 là-bas, vous voyez? Donc c'est un peu cela. On va faire la même chose aussi pour alcoolique. Donc je ferme cela, je quitte ici. Je me rends au niveau de contrôle, voilà. J'ouvre la base des données et je me rends tout simplement au niveau de ouf, là, au niveau de l'alcool. Donc, je dis encore si alcool, ça c'est une obligation moche. Donc, je viens ici pour éditer, je tape ici sur entrée. Donc, je mets AFTA, je mets AFTA, je mets entrée, AFTA entrée. After entry, encore je tape sur entrée, espace, encore end, je remonte de nouveau, je fais espace, je dis if, voilà, if, je dis encore end, encore ici, if, c'est bon. Donc je remonte, je tape entrée, espace, et là aussi espace. Qu'est-ce que je suis en train de coder? C'est juste au niveau du champ alcool. Donc si alcool, là, si alcool est égal, si alcool est égal à non, voilà, si. Si alcool est égal à non, je limite champ de caractère. Alors, then, donc j'ai dit alors, je mets ici alors, je tape sur entrée, espace. Si cela est égal à non, donc qu'est-ce qu'il faut faire? Statut alcoolique, donc statut alcoolique, statut, je mets ici statut alcoolique, donc je viens ici, je mets lettre. Statut alcoolique est égal à quoi? Statut alcoolique est égal à 0. On attribue 0 à statut alcoolique. Donc, de même que je coche ça, oh, j'essaie de venir, je sélectionne ça comme ça, je copie de nouveau tout cela, voilà, je viens ici, je me rends, je colle. Donc, je dirais que d'attribuer encore à quoi? Ici, nombre de verres par jour. Donc, je mets ici, qu'est-ce que moi j'ai dit? C'est d'attribuer. Si alcool est égal à ça, attribuer que nombre de verres par jour est égal à 0, mais attribuer aussi statut alcoolique est égal à 0. Donc, c'est ce que je n'ai pas mis, statut alcoolique est égal à 0. Donc, puis, il essaie de me cacher ceci. Donc, je les coche comme ça, très bien. Je viens ici, j'essaie de les coller, là. Au lieu que je mets maintenant id, les cacher pour moi. Voilà, encore de même, encore ici, id, les cacher pour moi. Et enlever l'égalité qui est là, et encore ici, encore égalité. Donc je tape sur entrée. Si tel n'est pas le cas, autre que ça, donc qu'est-ce que ça doit me faire? Ça doit les afficher, pas cacher les champs. Donc je copie, et bien tout simplement, je colle encore ici. J'ajoute ici, and, encore ici, je mets ici, and encore. J'essaie de venir ici pour valider par OK, c'est si bon, voilà. Ça cache tout cela, je sauvegarde cela. Maintenant, le poids, la taille qui est là. Donc, le poids, on avait estimé que la personne c'est de 0 à 100. Voilà. Regardez bien votre fiche d'enquête là-bas, vous allez voir. Donc, de 0 à 100 qui est là. Et bien, ici c'est une obligation qui est là aussi. La taille aussi, je pense, c'est de 1, quelque chose à 1, combien qu'ils avaient donné. Donc, vous vous référez toujours, c'est de 1,0. Donc, de 1 comme ça. Donc, de 1, j'enlève ça de 1 point de 1 à 2, je pense. Oui, de 1 à 2, ça doit pas dépasser quand même 2. Donc de 1 à 2, je ferme là-bas. Donc, mais le type de champ qu'on a mis, ça prend des virgules là-bas. Donc ne vous inquiétez pas pour cela. Je sauvegarde. Je me rends au niveau de la littérature pour me rassurer. Donc, j'ai fait tout cela. Si il n'est pas tabagique, voilà, j'ai fait tout cela. Si aussi il n'est pas alcoolique, masquez aussi le nombre de verres et attribuez aussi au statut alcoolique jamais consommé. Ouais, c'est clair. Après, je viens aussi me dire le nombre de grossesses est égal au total de nombre de fausses couches et au nombre d'accouchements. Donc, je dois appliquer cela.
D'abord, ici, j'essaie d'arranger ici pour calculer l'indice de masse corporelle. Tu viens connaissant le poids, connaissant aussi la taille. Donc, je me rends ici. Je mets ici no entry. Donc, on ne doit pas entrer une valeur ici. Pas du tout. Donc, j'essaie de faire la programmation à partir d'ici. Donc, je viens pour faire entrer la contrainte sur moi. Je tape ici. Je mets ici entrée. Donc, je dis after, après avoir introduit after entry. Après avoir introduit cette valeur end, donc je mets ici espace, je mets if, je mets ici end, encore là end, if encore, voilà. Je mets ici espace, voilà là aussi encore espace. Donc je me rends ici. Et si, oh, ok, bon, after entry, j'enlève la condition tout simplement parce que c'est d'attribut, hein. Voilà. C'est d'attribuer la valeur, donc il n'y a pas une condition là-bas. Donc je dis let, tout simplement. Attribuer que, après avoir entré cette valeur, attribuer que l'indice de masse corporelle est égal à quoi? C'est toujours égal, bon, j'ouvre ici les parenthèses, voilà, c'est égal à quoi? C'est le poids divisé par la taille au carré. Donc je prends la valeur de poids qui est là. Divisé par la taille au carré. Donc je mets taille avec la manière dont j'ai mis là-bas, TEL. Maintenant, c'est la taille au carré. Comment je vais mettre au carré là? Comme je vous ai dit, ce sont des opérations de relation qu'il faut mettre là-bas. Donc la taille au carré. Donc je mets la taille au carré. Je ferme maintenant les parenthèses pour moi. Et là, j'essaie de valider par OK. Regardez ce que ça donne. On dit ligne 4 que c'est incorrect. Regardez. Nous avons ligne 4, 1, 2, 3, 4. Donc, ça veut dire que la contrainte que nous avons donnée ici est incorrecte. Donc, nous revenons ici. Le nom de champ de variable est inconnu à gauche, c'est signalé. Donc, j'ai dit d'attribuer que l'indice de masse corporelle, moi, c'est la définition que j'ai prise. Mais regardez bientôt le nom qui est là. Le nom, il y a 1. Donc, je viens ici, je place ici 1. Et je valide par OK. Ça passe sans souci. Donc, prêtez toujours attention, je valide. La contrainte qu'on vient d'afficher tout à l'heure, c'est quoi? Le nombre de grossesses, ce qui est là tout simplement devant vous, le nombre de grossesses est égal au total des fausses couches d'accouchement. Donc, je viens de nouveau. Le nombre de grossesses qui est là. Donc, la valeur d'abord, j'essaie de délimiter cette valeur. Par défaut, je pense, sur la fiche d'enquête, ils avaient écrit de 0 à 20. Donc, à vous de voir là-bas ce que ça donne chez vous. Donc, de 0, je mets ici, à 20. De 0 à 20, c'est bon là-bas. Donc, c'est une valeur qui est obligatoire. Je viens maintenant pour sauvegarder, puis éditer de nouveau. Je viens ici, je tape sur Entrée. Donc, je mets ici AFTA. Donc, je mets AFTA Entry. Voilà, là-bas, c'est bon. Encore espace, je tape sur End. Je remonte encore de nouveau. Espace, je mets IF, je tape sur Entrée. End encore, IF, là, c'est bon. Je viens encore, non, pas du tout là-bas. Voilà, je remonte, je tape ici sur Entrée, espace, en haut aussi. Je mets espace. Qu'est-ce que je vais dire? Le nombre de grossesses qui est là devant moi, c'est ce qui est. Que le nombre de grossesses est égal à la somme. Le nombre de grossesses est égal au nombre. Je vous fais bien sortir la contrainte pour mieux aller. Le nombre de grossesses est égal au total de fausses couches et d'accouchement. Donc, qu'est-ce que nous allons dire? Si le nombre de grossesses. Si je me rends ici au niveau du champ pour taper, si le nombre de grossesses est différente, voilà, est différente de la somme, le nombre de grossesses de la somme du nombre de fausses couches, le nombre de fausses couches et le plus nombre d'accouchements. Alors, c'est ce qu'ils ont très bien dit. Regardez, on dit le nombre de grossesses est égal au total de fausses couches et d'accouchement. Donc nous avons non seulement ici de fausses couches et d'accouchement. Donc si cela n'est pas égal à la somme des deux, alors qu'est-ce qu'il faut faire pour moi à partir de là? Je vais leur dire de m'afficher d'abord d'informations, donc help, je délimite le champ. Donc je dis, je peux mettre là-bas erreur de saisie. D'abord erreur, je mets erreur, je barre. Erreur de saisie. Erreur de saisie. Voilà, je mets la virgule. Donc, le nombre de grossesses, je peux même abréger, voilà, sinon vous allez mettre en toute littérature. Donc, le nombre de grossesses est égal
à la somme, le nombre de grossesses doit être égal à la somme. Voilà, je vais mettre doit être égal à la somme. Donc je mets à la somme du nombre de fausses couches et du nombre d'accouchements. Donc là-bas, je ferme. Le type, je mets toujours le type que je suis en train de donner. Voilà, je mets type. Le type d'information que je suis en train de donner. Donc type, je mets ici que c'est égal à error. Donc error. Donc ceci, bon, je descends. Donc s'il fait cela, alors qu'est-ce qui, si c'est des erreurs que ça affiche pour moi, ça doit non seulement effacer. Donc si c'est des erreurs, ça efface. Donc je dis clair. Effacer quoi? Non, erreur de tabulation. Donc effacer ici pour moi quoi? Ici d'abord je commence par le nombre de grossesses qui est là. Effacer le nombre de grossesses pour moi. Voilà. Et encore je copie ça comme ça. Voilà. Pour me faciliter de gagner en temps et en espace. Voilà, je colle ici. Effacer le nombre de grossesses. Effacer le nombre de fausses couches qui est là. Effacer ceci. Et effacer le nombre d'accouchements aussi qui est là. Ça efface ça aussi pour moi. Donc si ça efface tout cela, et ça doit maintenant me conduire de nouveau où? Go to nombre encore de grossesses pour saisir ça de nouveau. Il doit saisir encore de nouveau le nombre de grossesses. Désolé. Il doit saisir de nouveau le nombre de grossesses encore. Donc c'est ce que j'ai donné ici. Si ce n'est pas égal à la somme des deux, afficher l'erreur qui est là, les effacer et puis encore partir de nouveau. Donc regardez si bien. On me dit ligne 6 encore que le nom est invalide. Donc vous comptez 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc quand je dis ici help, voilà, regardez ici, je dis help. C'est i que j'ai mis à la place de l. Donc j'accepte ici, ça prie. Donc prêtez toujours attention. J'ai fait une petite erreur ici, regardez, à la place de help. Moi, au lieu de mettre là-bas, et elle, j'ai mis là-bas, I. Donc, ça m'a validé. Donc, c'est ce qui est bon. Je reviens encore de nouveau. Ça, cette contrainte, elle est validée. Je sauvegarde encore. Je viens pour voir ce que ça donne. Le nombre de grossesses est égal au total du nombre de fausses couches. Ça, c'est propre. Voilà. Le septième maintenant. Le nombre d'accouchements doit être égal au total des accouchements par voie basse et par césarienne. Donc, je me rends encore de nouveau. Le nombre d'accouchements qui est là, que ça doit être égal au total du nombre d'accouchements par voie basse et nombre de césariennes. Donc, d'abord, j'essaie de quitter pour vous montrer ce que j'ai fait d'abord pour ici. Tout à l'heure, vous allez voir. Pour comprendre au moins ce qu'on a codé au niveau de l'accouchement, ce que ça donne. Il dit nombre de grossesses. Si je mets ici, par exemple, 3. Je viens ici, nombre d'accouchements par voie basse, je mets ici 3. Et ici encore, nombre de fausses couches, nombre d'accouchements, je mets ici 1. Je tape ici sur Entrée. Et vous l'avez vu, et non seulement, regardez, le nombre d'accouchements qui est là, c'est supérieur. Les deux là, la somme des deux est supérieure au nombre de trucs. Donc je reviens de nouveau, la contrainte n'est pas validée. Donc il faut toujours prêter attention à cela. Donc je viens check contrôle. J'ouvre encore, je viens ici, je roule un peu, je descends, on dit nombre de grossesses, je viens ici, j'édite. Pourquoi cela n'a pas été validé? Je vous donne 2 secondes, 1 seconde, 3 secondes, 4 secondes, 5 secondes, essayez de répondre. Mais celui qui trouve me dira vraiment par commentaire qu'il a bien suivi mon exposé et qu'il a mieux compris le cours. Ah ben là, je vous réponds. Souvenez-vous un peu, lorsqu'on était en train tout simplement de programmer à partir de dates de consultation et dates de naissance, je vous ai toujours dit de ne jamais programmer au niveau du champ d'abord qui est précédent. Il faut toujours programmer au niveau du dernier champ. Mais regardez ici ce qu'on a fait. On est venu ici programmer dans nombre de grossesses. Mais plutôt c'est à partir d'ici qu'on devrait programmer. Sinon ça n'allait pas reconnaître. Donc je reviens ici, j'édite ça de nouveau. Je prends à partir de là, voilà, jusqu'ici, after entry, juste là. J'essaie de prendre ça, CTRL X. Je valide ça. Je viens ici au niveau du nombre d'accouchements. Et j'édite ça. Je viens, je colle ici de nouveau. Voilà, vous avez vu, after entry. Donc, je mets ici par accepter. Ça donne. Je valide. Je quitte.
Je viens pour saisir et pour vérifier, voir ce que ça donne. Je descends là. Voici. Je mets cette fois-ci ici 4. Je mets ici 4 déjà. Et je mets ici 1. Je tape ici sur Entrée. Vous avez vu? On me dit erreur de saisie. Le nombre de grossesses est toujours égal à la somme de nombre de fausses couches et nombre d'accouchements. Nombre de fausses couches et nombre d'accouchements. Alors, prêtez très bien attention au cours de la programmation. Parce que l'essentiel, ça a effacé tout cela, ça m'a envoyé ici. C'est la matière grise, c'est votre cerveau qui doit raisonner. Voilà. On continue la programmation. J'abandonne cela. Je vais au niveau du check control. Voilà. J'ouvre ça. On se rend en bas, un peu plus bas. Voilà, ici. On était au nombre d'accouchements par voie basse. On dit nombre d'accouchements doit être toujours égal à la somme de nombre d'accouchements par voie basse et nombre aussi de césariennes. Donc, je me rends ici pour coder de nouveau. Je vous rappelle la contrainte qui est là. Le nombre d'accouchements doit être égal à la somme de nombre d'accouchements par voie basse et nombre de césariennes. Donc, je me rends. Le dernier champ, c'est quoi? C'est nombre de césariennes. Donc, je viens ici pour éditer cela. Je tape sur ici, je drague d'abord la fenêtre et je déplace ici. Voilà, je viens ici. Je mets encore after entry. Comme d'hab, je mets after entry pour nous. Je tape ici sur entry, encore entry, la end. Je remonte de nouveau espace. Je mets ici if encore. Je mets encore end. Je mets encore ici if. Là, je tape sur entry, espace, là, espace. Qu'est-ce que je veux dire? Donc, je reviens de nouveau pour nous décrire. Nous sommes au niveau du nombre d'accouchements par césarienne. Donc, après avoir entré, si le nombre d'accouchements est différente, donc j'essaie de mettre, est différente de la somme entre nombre de césariennes plus nombre d'accouchements par voie basse. Donc, nombre de césariennes plus nombre d'accouchements, nombre de césariennes plus nombre d'accouchements par voie basse, nombre d'accouchements par voie basse. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire afficher pour moi? C'est toujours help. Il s'agit d'erreur. Donc, je mets ici help. Je mets ici le point. Donc, il dit erreur de saisie pour moi. Donc, j'ai dit erreur. Je mets erreur de saisie. Erreur de saisie. Voilà. Je mets virgule. Espace. Qu'est-ce que je vais dire? Que le nombre, toujours, voilà, je vais abréger, vous pouvez mettre la littérature après pour que je gagne un peu plus de temps. Donc le nombre d'accouchements, je mets ici le nombre d'accouchements, ce que j'ai abrégé là-bas, doit être égal, je mets accent chapeau, doit être égal à, voilà, à la somme du nombre de césariennes qui est là, nombre de césariennes plus nombre d'accouchements par voie basse, nombre d'accouchements par voie basse. Donc, le type d'information, il s'agit de quoi? Je mets type et je mets ici égal, donc je mets error. Il s'agit de type d'erreur. Donc, je rentre. Si cela est fait, il va falloir que ça efface maintenant et me donner des valeurs que je dois introduire. Donc, effacer non seulement le nombre d'accouchements qui est là, ici devant moi, voilà, j'essaie de sélectionner ça comme ça. Je fais CTRL C, je copie, je rentre là, coller, encore là, je colle. Donc à partir de là maintenant, je sélectionne la valeur là aussi, je copie le nom là, je colle ici, là aussi, je copie le nom là, je viens là aussi, je colle. Si tout cela est fait, donc ça doit effacer et m'envoyer de nouveau au niveau 2. Donc j'ai dit go to, mais rediriger encore au niveau du nombre d'accouchements. Donc, je viens ici, espace, je mets nombre d'accouchements. Donc, j'essaie de valider cela. Et bien là, c'est oui, c'est OK. Donc, on va voir encore 8e contrainte. On dit le total de naissances vivantes et de morts nés doit être égal au total des accouchements par voie basse et par césarienne. Donc, on revient. On dit le total de nombre de bébés vivants, le total de nombre de bébés vivants, le total de nombre morts nés. Je reviens pour mieux voir la littérature. Le total de nombre des naissances vivantes et de morts-nés, voici, des naissances vivantes et de morts-nés, le total de naissances, le nombre de naissances vivantes et de morts-nés qui est devant vous ici, donc les deux là, doit être égal au total des accouchements
par voie basse et par césarienne. Ces deux-là doivent être égaux au total des accouchements par voie basse et par césarienne. Donc je mélange ici au niveau d'ici pour faire, parce que c'est le dernier champ pour faire. Donc là, j'ai encore, je drague ici. Je mets ici là, after, encore, entry. Je valide ça, after, entry. Je tape encore, je mets ici, end. Voilà, à partir de là, je tape sur entrée, je remonte encore, espace. Donc je mets if, je tape encore, je mets ici, end. Mais voilà, encore espace. Ici encore, je rends espace. Qu'est-ce que j'ai dit? D'ici, le nombre d'accouchements par voie basse et le nombre de césariennes. Donc, nombre d'accouchements, je mets ici, nombre d'accouchements par voie, nombre d'accouchements par voie basse, qui est là. Le nombre d'accouchements par voie basse, plus encore quoi? Le nombre de césariennes qui est là pour nous. Le nombre de césariennes est égal. Donc, si c'est différent, parce que ça doit être égal à la somme des deux. Donc, différente. Si c'est différente à quoi? Le nombre de naissances vivantes. Nombre de naissances vivantes. Voilà, plus. Le nombre de quoi? Le nombre de. Ici, le nombre de naissances vivantes et le nombre de morts-nés. Donc, nombre de morts-nés. Si c'est différent de cela, je dis alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Je dis encore help. Il faut m'afficher encore un message. Je délimite les caractères. Donc, j'ai dit erreur de saisie. Donc, je mets erreur de saisie. Si cela est fait, voilà, je mets virgule. Mais quoi? Et donc, j'essaie de venir de prendre la contrainte qui est là. Donc, je dis, il doit être égal. Voilà. Et pour un peu plus simplifier, pour moi, il doit être égal. Il doit être égal. Voilà, égal. À vous de voir la littérature que vous allez mettre là-bas. Bon, égal à la somme de ceci, moi je vais mettre tout simplement comme ça. Voilà, je viens ici, je colle ça ici. Donc, doit être égal à la somme de tout ceci. Voilà, je mets ici égal. Là, j'essaie de voir, est-ce que, voilà, égal à ceci. Voilà, le type d'information que je vais mettre, voilà, je mets type, tout simplement, type error. Donc, je mets type. Il s'agit de quel genre d'information? C'est des erreurs de saisie. Donc je délimite les caractères, je mets euro. Voilà. Je viens ici, qu'est-ce que ça doit faire de nouveau? C'est de m'effacer ceci. Donc j'essaie d'effacer ça. Effacer non seulement le nombre d'accouchements par voie basse qui est là. Et je copie tout cela comme ça. Très bien, je sélectionne. Je viens là, je colle et je rentre aussi là, je colle. Encore, je rentre, je colle. J'essaie maintenant de remplacer. Je copie ça. Je viens ici, je colle. Et là. De même, je copie ça, je viens là aussi, je colle, encore je copie, mais là aussi, je colle. Et si tout cela est fait, où il doit maintenant me rediriger de nouveau? Donc, go to. La valeur, donc ça doit m'envoyer encore au niveau du nombre d'accouchements par voie basse. Donc, je dis nombre d'accouchements par voie basse. Donc, j'essaie de valider ça par OK. Et regardez si bien, on dit que la ligne 2, entry, attendu. Donc, regardez. Donc ici end if. If là, je n'ai pas condamné. Donc j'ai mis ici end if. Donc entry, voilà, je valide ici par OK. On me dit encore ligne de entry attendu. On dit after entry. Après avoir entré. Donc end ici entry. Voilà. Je mets ici comme ça, code de contour. After entry, c'est bien. Après avoir entré, si. Ligne de commande, à la ligne de commande 12. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ce qui est là, voilà, tout est bon. Ok. Si date de nombre de naissance, nombre de trucs est différente à la somme des deux, donc alors help, clair, effacer tout cela. Voilà. After, entry, donc. Je vois pas trop là où j'ai fait un peu plus de ray, mais voilà. Je vais essayer d'enlever tout cela. Voilà. Je vais voir de nouveau ce que ça donne. Voilà, je colle ici. Ici, after, la ligne 2, attendu. Voilà. Donc j'enlève ça. J'essaie de voir ce que ça donne. Donc after, entry. Voilà. C'est bon. J'avais l'air au niveau d'after, la manière dont j'avais écrit. Voilà. Donc je valide ici par OK. Je me rends encore pour voir prochaine contrainte, qu'est-ce que ça dit, voilà.
Ici, si le nombre de bébés vivants est égal au nombre de naissances vivantes, masquez le nombre de bébés décédés à la première semaine et le nombre de bébés décédés après. Si le nombre de bébés vivants est égal au nombre de naissances vivantes, je vais vous montrer. Si le nombre de bébés vivants est égal au nombre de naissances vivantes, si le nombre de bébés, le nombre de bébés vivants, encore, si le nombre de bébés vivants encore est égal au nombre de naissances vivantes, donc démasquer les deux champs pour nous. Donc, c'est ce que nous allons faire. On vient ici à partir de là où ça finit, on vient pour coder. Donc, on tire ça comme ça. Je mets ici encore after. Après, je mets ici entry. After entry, je tape, je mets ici end. Voilà, je tape là entry. Là, je mets espace, je mets if. Encore, je mets encore end. If, voilà, là je tape espace et là j'élimine ça et ici je mets un peu d'espace. Donc, si le nombre de bébés, je mets ici le nombre de bébés vivants encore, donc le nombre de bébés vivants encore, si le nombre de bébés vivants encore qui est là est égal, si le nombre de bébés vivants encore est égal. Je pense bien, c'est ce qu'ils ont dit. Je revois la littérature pour ne pas me tromper. Si le nombre de bébés vivants encore est égal au nombre de naissances et nombre de naissances. Si le nombre de bébés vivants est égal au nombre. Si le nombre de bébés vivants est égal au nombre de naissances vivants, masquez voilà, le nombre de bébés décédés et tout. Donc, si le nombre de bébés vivants encore est égal au nombre de naissances vivants. Donc, je mets ici nombre de naissances vivantes. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, je viens ici. Alors, c'est de non seulement les attribuer d'abord 0, 0, 0 et les masquer. C'est ce qu'il faut faire. Donc, je les attribue d'abord. J'attribue nombre de bébés décédés, nombre de bébés décédés. Après, je descends encore. Je dis la lettre. Je dis nombre de bébés décédé après, c'est ce qui est là. Donc là, je mets égal. Ici encore, je mets égal. Donc je les attribue 0. Et là aussi, je vais les attribuer ici encore 0. Un peu ça. Bon, je descends encore. Voilà. Si je les attribue 0, qu'est-ce qu'il faut faire de nouveau? Il faut les cacher. Donc je les coche. Je viens ici, je colle. Je dis, il faut les cacher pour moi. Donc, cacher pour moi. Et encore ici, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut cacher pour moi. Et enlever tout ce qui est là devant moi, voilà, mais supprimer l'égalité qui est là. Bon, si tel n'est pas le cas encore, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, il faut les afficher de nouveau pour moi. Donc, je les coche comme ça. Je copie. Je viens ici, je colle ici. Voilà, je mets ici U, tout simplement. Encore un. Donc, si tout cela n'est pas le cas, je les dis de les afficher pour moi. Donc, je sauvegarde cela. Je me rends encore de nouveau pour voir ce que ça donne. Numéro 10. Si le nombre de bébés vivants est augmenté du nombre de bébés décédés à la première semaine est égal au nombre de bébés vivants, masquez le nombre de bébés décédés après. Si le nombre de bébés vivants, voilà, je reviens ici. Si le nombre de bébés vivants encore, ici, nombre de bébés vivants encore, augmenté cette fois-ci, augmenté du nombre de bébés décédé de la première semaine. Si le nombre de bébés vivants encore augmenté du nombre de bébés décédés à la première semaine, donc la somme des deux est égale à quoi? Est égale au nombre de naissances vivantes. Est égale au nombre de naissances vivantes. Si le nombre de bébés vivants encore augmenté du nombre de bébés décédés à la première semaine est égale au nombre de bébés égal au nombre de naissances vivantes. Donc il faut masquer le nombre de bébés décédés après. Nombre de bébés décédés à la première semaine et le nombre de bébés vivants encore est égal au nombre de bébés qu'on a obtenu pendant la naissance. Nombre de bébés pendant la naissance. Mais après, il n'y a pas eu de décès. Parce que le moment, il n'y a pas eu de décès. Donc ici, la somme de ces deux est égale à ça. Donc on élimine ça. On vient ici pour coder, voilà, je tire encore ça, je tape ici, after, entry, donc je mets after,
entrée, je tape entrée, donc je mets encore end, ici espace, je mets if, là aussi je mets end, après je mets if et je remonte, je mets ici espace, voilà, là aussi espace. Qu'est-ce que je vais mettre ici? Je reviens. Si le nombre de bébés décédés à la première semaine, donc nombre de bébés décédés, si le nombre de bébés décédés à la première semaine plus le nombre de bébés vivants encore, le nombre de bébés vivants encore augmenté est égal au nombre de naissances vivants, donc nombre de naissances vivants, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Alors je vous supplie de m'attribuer, voilà, je dis lettre, voilà, lettre, attribuer au nombre de bébés décédés après, nombre de bébés décédés après, l'attribuer, non seulement 0. Et qu'est-ce qu'il faut faire encore de nouveau? De le cacher pour moi. Donc tu essaies de le cacher pour moi, donc il dit end, cacher pour moi. Et tu enlèves ça automatiquement, je supprime et ben voilà, je sélectionne encore ça de nouveau, je copie, je viens tout simplement là. Si tel n'est pas le cas, qu'est-ce qu'il faut faire pour moi? Donc il faut tout simplement aussi l'afficher. Donc je mets ici un affiche. Donc j'accepte cela, c'est validé, je sauvegarde et je fais tout cela. Ben, qu'est-ce qui me manque encore de nouveau? Voilà, tout cela c'est bon. Après, voici une contrainte maintenant. Les infections opportunistes, là, c'est moi-même qui ai augmenté cela. On dit si les infections opportunistes, là, c'est égal à non. Donc, tout cela, là, ça doit être caché pour moi. Donc, je reviens ici, je prends ça. Là, c'est à partir d'ici que je dois coder. Donc, j'ai dit after, entrée. Je mets after, entrée. Je tape sur entrée. Je mets encore ici, end. Je mets espace. Je mets ici, if. Je mets ici end, encore if, je monte ici entrée, espace, là aussi espace. Et d'ici, l'infection opportuniste, donc infection, je mets normalement donc j'ai écrit très bien, je regarde ici. Si infection opportuniste, l'infection opportuniste est égal à nous, qu'est-ce qu'il faut faire pour moi? Donc je dis alors, dans ce cas, then, je dis alors, je tape ici entrée. Alors, il faut non seulement attribuer à ceci, donc let, attribuer à zona, je mets ici zona égale à non, attribuer à zona égale à non. Donc, j'essaie de sélectionner ça, voilà, CTRL-C, je copie, je viens ici, je colle. De même encore, je tape ici entrée, je colle encore ici, je viens encore, je tape entrée, je colle. J'essaie de rectifier. Il y a Zona et il y a TB, TB. Il y a quoi? Candose, la candidose buccale que j'ai appris. J'ai candose, voilà, candose. Voilà, après, il y a quoi d'autre? Il y a sarcome de Kaposi. Donc, il y a sarcome de Kaposi. Donc, Kaposi. Donc, je mets sarcome de Kaposi. Sarcome de Kaposi. Après, il y a encore autre que je dois cacher. Donc, je dis let attribuer que autre qui est là, sans quelque rien d'autre. Donc, autre est égal, autre aussi est égal à non. Autre est égal à non. Et aussi, le champ de commentaires, ben, là aussi, je n'attribue rien, mais je vais cacher ça après. Donc, j'essaie de sélectionner ceci. Je viens là, tout simplement. Voilà, je colle ça ici. Donc, je mets ici it pour cacher. Voilà, je copie ça. Non, je fais CTRL-Z pour reprendre. Je copie ça. Je viens ici, je colle. Et là encore, je viens, je colle. Et bien là aussi, je colle. De même encore. Ici encore, je colle. À partir de là, je supprime ça. Et voilà, ici encore, je supprime bien. Là aussi, de même, je supprime. Et ici encore, je supprime. Ça roule. Ici encore, j'élimine. Ça roule. Donc, j'essaie de sélectionner tout cela de nouveau. Voilà, je copie. Et si tel n'est pas le cas, donc si tel n'est pas le cas, je viens de nouveau. Voilà, je dis tout simplement, il faut les afficher encore. Donc, je sélectionne ça, je copie. Je viens là, je colle, et là, je colle, et là, je colle, et là aussi, je colle. J'élimine les espaces qui sont là. Voilà, pour mieux structurer le texte. Donc, il faut aussi cacher aussi le champ autre 4, parce que ça aussi, donc voilà, le cacher, ne rien l'attribuer, mais aussi le cacher. Donc, je mets autre
je mets autre 4. Donc je sais que je dois sélectionner encore de nouveau pour copier. Je vais encore, je me rends ici, je tape entrée, je colle et je mets ici un, voilà, tout simplement pour cacher. Donc cela c'est bon, voilà, j'ai appuyé ici sur valider, on me dit que la ligne 8 nom de champ est introuvable. Donc tu viens voir. Donc je regarde très bien là où j'ai fait de l'erreur ou là où j'ai fait quoi. Ce qui ne marche pas. Donc je regarde. Ligne 8, donc je reprends ici. Ça c'est la ligne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. À partir de la lettre. Donc regardez autre, j'ai mis deux fois ici en attribuant. Donc j'enlève l'autre valeur là, je supprime ça et je tape ici sur OK. Ça c'est validé, c'est bon. Maintenant on me dit ligne 13 et ligne 20, le nom aussi est introuvable. Donc je regarde très bien ce que j'ai écrit. Zona c'est bon, Tibi c'est bon. J'ai tout simplement mis Candose, après Sarko. Kaposi, autre encore, regardez, j'ai répété en copiant, autre qui est là-bas, et je défiant encore ici, autre avec eux, la même répétition avec copie-coller, ben voilà, ça marche, je sauvegarde ici, ok. Donc je dis si cela est égal à non, d'afficher tout ceci, de leur donner non, et là c'est bon. Mais si cela est égal à oui, donc je vais avoir question de choix et mettre ici. Mais il peut avoir que le patient ou la patiente que j'ai n'est seulement que des infections opportunistes qui sont dans l'intervalle de fourchette des zones tuberculose, candidose et ça comme des Kaposi et qui n'en a pas autre infection opportuniste. Donc je dois mettre une programmation ici. Donc je viens aussi au niveau de autre encore pour éditer. Je dis AFTA. Je dis AFTA. Je mets AFTA entry, je tape ici sur entrée, encore entrée, je mets end. Voilà, je remonte encore de nouveau, entrée, espace ici. Je mets ici if, encore end, if, comme d'habitude. Je rentre ici, je tape sur espace et là aussi espace. Regarde, si autre, cette fois-ci, si autre est égal à non, donc il va falloir maintenant directement ici, afficher ici, cacher ça. Donc je mets si autre, autre sans truc est égal. À, si autre est égal à non, voilà, si autre est égal à non, alors je descends pour afficher quoi? Si autre est égal à non, là je descends tout simplement pour afficher, pour masquer quoi? Donc masquer, donc je dis id. Ah, je n'ai pas mis d'abord alors l'expression. Il faut bien structurer votre commande. Donc alors id, alors cacher pour moi autre 4. Donc autre 4, autre 4. Et si tel n'est pas le cas, ben voilà, il faut l'afficher pour moi. Donc il faut l'afficher pour moi. Donc voilà, je l'affiche. Je mets autre 4. Regardez bien ce que j'ai mis. Il peut arriver que j'ai dit que l'intervalle de fourchette baigne entre zona tuberculose, candidose et sarcome de Kaposi. Donc dans le cas, dès que tu mets ici, il n'y a pas d'autre infection, le champ là doit être masqué. Mais si tu mets ici non et que tu te mets encore à saisir autre chose ici, ça ne vaut rien. Voilà, je valide ici. Voilà, je sauvegarde tout cela. Donc, nous avons presque fini notre programmation. Donc, nous allons essayer de conclure un peu ce que ça donne. Je viens au niveau des saisies pour voir ce que ça donne un peu. Le nom, c'est bon. La date de naissance, donc nous avons 12. Je vous avais dit que j'allais arranger la valeur ici. Donc, je n'ai pas oublié. Donc, 12. Je mets ici 31, 93, voilà. 31 décembre 1940. 93 comme ça. Là, je tape sur non. Qu'est-ce que j'ai mis? Date de naissance. Voilà. J'enlève tout cela. C'est le 31. Ok. 12e mois. Je mets ici 93. Voilà. Entrée. La date du jour aujourd'hui. Nous avons le 13. Voilà. 5e mois. Ici. Et nous avons 2018. Je tape sur l'entrée. Homme. Je prends 1. Et c'est que je prends 2, voilà, et je prends aussi 2, ça saute, voilà, là aussi je prends 3, ça saute. Donc si tout cela est égal à non, regardez, ça saute, ça donne quoi, voilà, c'est égal à non, ça saute. Statut, voilà, alcoolique, je dis là-bas, yes, voilà, on me dit son statut, est-ce que c'est un alcoolique actuel ou ancien, voilà, vous avez vu, voilà. Là-bas, je n'ai pas mis saut pour montrer, donc vous allez mettre là-bas la commande saut pour afficher. Encore nombre de verres, je mets ici 34, je descends. Son poids, je mets par exemple 34. La taille, je mets 2 tout court, je descends. Voilà, vous avez vu ce que ça donne. Sa taille a été non calculée, mais regardez, ça a automatiquement shooté ce qui est là pour venir ici. C'est parce que le sexe que j'ai mis, c'est égal à un homme.
Donc, la commande qu'on avait mise est complètement respectée. Ça a directement sauté pour être là. Si la personne aussi n'a pas une infection opportuniste, par exemple, Zona ou quoi, Tibi, je mets tout simplement ici « No ». Et vu tout cela est caché, voilà, là, je peux rien mettre. Les commentaires que j'ai à faire, je fais. Dès que je tape sur « Entrée », on me dit si je veux faire l'enregistrement ou pas. Donc, ça serait le prochain tuto qu'on va avoir pour introduire les bases de données dedans. Maintenant, nous allons un peu plus structurer encore de nouveau notre contrainte et notre base de données. Je ferme ça complètement. Je dis « Abandonner, ne pas enregistrer ». Je fais « Ctrl-O »,« Ouvrir ». Je sélectionne maintenant « Check » pour faire sortir le fichier maintenant de programmation proprement dite. Voilà, tout ce qu'on a introduit, c'est dedans ici. C'est ce qu'on a introduit. Voici, voici, tout ce qu'on a introduit. Je me rends ici vers la fin. Je tape ici sur « Entrée ». Il dit « Qu'est-ce que je veux mettre ici ?» C'est une information que je veux mettre d'abord. Donc, je mets « Before » avant. Voilà, je mets « Before ». Donc, je mets avant la fiche. « Before fiche », je mets « End »,« Entrée ». Voilà, je mets ici « End ». Voilà, je viens ici. Donc, je veux juste qu'on m'affiche un message. Donc, je dis « Help ». Donc, je dis « Help ». Donc, je mets maintenant, je délimite bien « Help ». Voilà, et je m'affiche, j'essaie maintenant de juste de mettre quelques textes. Je dis bonjour, donc je mets tout simplement bonjour, bonjour monsieur, voilà, donc bonjour monsieur X. Donc je mets virgule, je mets tout simplement, j'espère que vous êtes en forme, que vous êtes en forme. Pour passer plus de temps avec moi, voilà. En forme pour passer, donc pour passer plus de temps avec moi, plus de temps avec moi, je mets avec moi, après virgule, je dis car votre compagnie me plaît, donc car votre compagnie me plaît, votre compagnie me plaît, voilà. J'ai mis cela, donc je mets type maintenant. Le type, c'est quoi? Ce n'est pas erreur ou ni rien. Je dis que c'est type de salutation. Donc, je sais que je dois mettre ici. Donc, je mets type. Voilà, je mets type. Après, je mets ici égal. À partir de là, je mets juste qu'il s'agit de salutation. Warning. Voilà, je mets qu'il s'agit de type de salutation. J'essaie de valider ça et je quitte ici. Je ferme. Regardez. Je viens pour ouvrir de nouveau pour saisir. Donc, quand je clique sur ma base de données. Regardez ce que ça me dit. Bonjour, monsieur X. J'espère que vous êtes en forme pour passer le bon moment avec moi. Mais j'ai mis, voilà, ça c'est une attention que j'ai mis. Donc, je dois changer pour tout simplement mettre qu'il s'agit d'une salutation ou d'une information. Donc, je ferme ça encore. Je reviens, je fais CTRL-O. Voilà, pour ouvrir, je mets check, point check. Voilà, j'ouvre ça. Et je me rends vers la fin, je déroule l'ascenseur ici. Voilà. Je tiens beau, la souris, juste là, c'est bon. Donc je change ça. Je peux tout simplement dire qu'il s'agit de l'information ou salutation. Je mets salutation. Ou bon, je laisse comme ça. C'est bon même, c'est bon. Je fais CTRL-Z, voilà, Varni, c'est bon. Et je viens pour au niveau AFTA, c'est que ça donne. Donc voilà, j'ai dit AFTA. Après. Et après la fiche d'enregistrement, voilà, AFTA, je mets ici end, voilà, je viens ici, AFTA, je fais la même chose encore, help, le message que je dois afficher, je délimite les caractères. Donc cette fois-ci, je dis n'oubliez pas de sauvegarder, voilà, de sauvegarder une copie de votre donnée, une copie de votre donnée. Voilà, une copie de votre donnée. Voilà, une copie de votre donnée à chaque fois que vous finissez l'enregistrement. Donc, je mets ici type, voilà, type. Le type là, donc je peux mettre ici encore le type aussi d'attention. Voilà, warning. Voilà, je mets cela, voilà, je valide. Ici, j'enregistre tout cela. Voilà, je quitte ici. Et je vais encore pour ouvrir la base de données. J'avais vu la salutation, bonjour monsieur X, j'espère que vous êtes en forme, je tape sur OK. Voilà, j'essaie de venir jusqu'ici et je tape ici quelques trucs, on me dit par exemple, je mets du talalala, du charabia, un peu de trucs, voilà. Voilà, comme bon vous le semble, je descends, voilà, je descends.
tu mets là-bas non, voilà ici, je mets là-bas yes, je descends, le poids, je mets comme ça, non, champ de valeur, je suis un peu suppressé, voilà, je fais comme ça, je tape, je mets ça, la taille c'est de 1 à truc, voilà, je mets ça, je descends, non, voilà, commentaire, je mets quelque chose. J'essaie maintenant de taper sur entrevue à enregistrer. Donc moi je dis non. Si j'essaie de fermer la base des données, je dis non. Oui, n'oubliez pas de sauvegarder une copie de votre donnée. Donc à chaque fois que je fais l'enregistrement, je suis tenu obligé d'enregistrer par le message qui me fait rappeler. Si je veux, voilà, c'est un peu ça. Et après encore, on peut mettre, si vous voulez, un mot de passe, voilà, façonner un peu le site. Donc, en quelques mots, c'est pas ce tutoriel qui va vous rendre un peu plus performant ou voire même un peu plus professionnel dans Epidata. Mais je pense que le minimum est là au même pour vous adapter, pour créer votre propre base de données et mettre des contenus d'intégrité, programmer et façonner même votre base de données en fonction de vos requêtes telles que la salutation, les sauts, comme on a fait, n'oubliez pas de sauvegarder, ainsi de suite. Donc, si ce tutoriel vous a apporté quelques informations ou vous avez pu en piger quelque chose dedans, n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube ou voire même activer la cloche pour ne pas partager encore la vidéo. Donc, sur ce, je vous quitte. On se retrouve pour le second tuto qui portera sur quoi? L'introduction des bases de données. Donc, sur ce, merci vraiment et votre compagnie me plaît beaucoup. À la prochaine. Merci infiniment. Allez, ciao. Thank you.